à toutes et à tous, ça sent le montage, hein, vous ne m'avez pas entendu, j'ai vu que j'avais oublié mon son, mais j'arrive quand même. Je suis très content de vous voir ce soir, les amis, sur le support qu'est R2 TV. Mais nous démarrons ce soir une nouvelle série d'émissions. Il y en aura comme ça, au début, je pense, 4 ou 5 par an, pas plus. Mais des émissions qui vont s'appeler « Les Sentiers de l'Invisible ». Alors, dans ces émissions, je vais interviewer des gens qui ont beaucoup de choses à dire, beaucoup d'expérience, parce qu'il faut que prendre des gens qui ont parcouru ces sentiers de l'invisible et qui ont comme ça avancé d'année en année sur un cheminement qui parfois, vous le verrez, est un petit peu complexe. Parfois, vous aurez des émissions, la prochaine, dans 15 jours, ben, il n'y aura que moi. Donc, ce sera un question-réponse avec vous. En fait, avec en plus derrière un channeling que je vais faire, mais un channeling un peu étrange, puisque je vais le faire avec Marianne Lemarchand, qui dessinera pendant que je ferai le channeling. Enfin voilà, je vous propose ce type d'expérience, de rencontre entre nous, de questions-réponses, et surtout d'entretien avec des gens qui ont parcouru ces sentiers de l'invisible. Le premier ce soir qui se retrouve finalement à être le parrain, c'est Patrick Drouot. Bonsoir Patrick. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Sylvain. Bienvenue sur les Sentiers de l'Invisible, ça fait plaisir de te recevoir en premier ici. Eh bien écoute, je suis honoré hein, de me tenir devant toi, hein, devant vous pour discuter des Sentiers de l'Invisible, mais je voudrais aussi, et on en parlera bien sûr, parler de ce qu'est la spiritualité, parce que finalement, on parle de développement personnel, on parle de développement spirituel, mais c'est quoi finalement, et on qu'est-ce que ça nous apporte ? On va en parler ce soir, tu sais Patrick, quand j'ai mis les sentiers de l'invisible, pas invisible, j'entendais ça, j'entendais un peu irrationnel, un peu spiritualité, j'ai caché ça derrière invisible, parce que c'est des choses qui se touchent pas vraiment, voilà. Je vais faire quelques petits rappels de base, c'est un peu tous les livres que tu as écrits. Et encore, j'en ai oublié, tu le sais bien, guérison spirituelle, immortalité. Nous sommes tous immortels, qui est, j'allais dire, ton best-seller number one, celui que j'espère tout le monde a lu, quand même. Il est toujours publié, hein. C'est remarquable parce qu'il est sorti. Il a changé d'édition plusieurs fois, mais il est toujours là. Oui. Voilà. Et puis, le dernier, hein, la révolution de la médecine vibratoire. Les voilà, je ne les ai pas oubliés, les quatre derniers, la révolution de la pensée intégrale, les pouvoirs secrets des cristaux, dont on parlera tout à l'heure d'ailleurs. Les 1000 visages de la conscience et la révolution de la médecine vibratoire, qui a été la dernière émission qu'on a fait ensemble avec Patrick. Les amis, je vous invite à la revoir. Il en a fait d'autres sur d'autres chaînes que je vous invite à voir aussi, parce qu'il faut compléter le propos. Ne vous contentez pas de ma chaîne, allez en voir d'autres. C'est important comme ça de faire une culture. Donc déjà, Patrick, effectivement, je te remercie à nouveau de ta présence sur TR2 TV. Enfin, sur TR2 TV. Pour le coup, TR2 TV, oui. Je vais aussi remercier ce soir, parce que c'est la Saint-Valentin, merci à Liliane, ta femme, de nous avoir prêté son mari pendant une heure et demie ensemble, les amis. Donc on va la remercier énormément. Je remercie Carole, bien sûr, ma petite femme. Je dis toujours ma petite femme, mais c'est une très grande femme, de m'accompagner. Et on en parlera peut-être, mais sans Liliane... t'aurais peut-être pas fait tout ce parcours, en fait. C'est vrai. Je dois dire que c'est elle qui m'a emmené dans le Pacifique Sud. Hein. On a fait beaucoup, beaucoup de choses en Polynésie. Il faudrait qu'un jour, je parle de la spiritualité polynésienne et hawaïenne. Il y a très, très peu de choses connues. Et puis aussi, on a vécu 7 ans au Brésil. Et donc, c'est aussi l'énergie de Liliane à travers l'énergie des femmes, des peuples premiers, en fait, qui m'ont emmené, ben, si tu veux, qui m'ont emmené vers ces continents originaux. Ah, et si on se proposait ça dans une autre émission, de parler de spiritualité hawaïenne ? Parce que je ne connais personne capable de m'en parler, mais là, tu viens un petit peu de m'allécher avec ça. Ça peut être sympa. Ça peut être très sympa. Patrick, c'est incroyable. Je rappelle à ceux qui n'auraient pas regardé les émissions précédentes, mais vous pouvez toujours, il y a des liens en bas, et puis n'hésitez pas à vous abonner hein, quand même, les amis. Si vous voulez connaître les prochains invités, c'est quand même le meilleur moyen. Et puis, je rappelle qu'à la base, tu as fait des grandes études scientifiques, aux États-Unis même, de mémoire. Oui, c'est vrai, c'est Columbia, hein, c'est une magnifique université hein, dont je suis bien fier, en fait. Hein, Dire que c'était encore à l'époque où pour y aller, c'était pas non plus super simple et que, voilà, vous n'avez pas 50 000 Français là-bas. Ah non, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Pas beaucoup.
Ouais. Très grande université. Voilà. Alors, la première des questions que j'ai envie de te demander, c'est qu'est-ce qui s'est passé chez Patrick Duhau? Quel événement tu as vécu? Je te l'ai déjà posé cette question, mais je te la repose un peu. Peut-être qu'on va avoir un... Quelle expérience tu as vécue qui t'a projeté un peu dans, j'allais dire, Donc dans les ça. chemins, dans ces fameux sentiers de l'invisible, finalement? Mais j'ai fait, bon, j'ai fait de solides études universitaires, hein. J'ai un troisième cycle en physique quantique, hein. À l'époque, la physique quantique commençait seulement à poindre dans le tissu universitaire, hein. On est en 1973, 74, 75. Et donc, je suis, après mes études 1976, je suis revenu 2 ans en France, mais j'avais qu'une idée, c'était de retourner aux États-Unis, parce qu'à l'époque, l'Amérique, hein, comme on disait, c'était un choc culturel. Il y avait énormément de choses qui se produisaient. C'était la fin de la ségrégation raciale, c'était la fin du mouvement hippie, c'était le début des recherches, justement, sur l'invisible, hein, c'était le début de ce qu'on va appeler le New Age, mais aussi dans les labos universitaires, ils avaient commencé à travailler sur les états modifiés de conscience, etc., etc. Et du temps de mes études, je suis allé en Caroline du Nord voir une cérémonie cherokee qui s'appelait The Trail of Tears, le chemin de larmes. Et on était allé avec 3 copains. Et donc, pour la première fois, j'ai vu, si tu veux, une culture qui était fondamentalement différente de la nôtre. Des gens qui pensaient différemment, qui réfléchissaient différemment. Enfin, j'ai courte, hein. Et donc, je suis revenu en France. J'ai travaillé pour une société américaine en France. Mais je n'avais qu'une idée, c'était de repartir aux États-Unis, soit à travers une société américaine, soit à travers une entreprise française. Et donc j'ai eu le pompon, le cocotier. En fait, j'ai été le directeur de la filiale américaine d'une multinationale de 32 000 personnes. Et si tu veux, malgré cette carrière qui était extrêmement prometteuse, parce que j'avais 32 ans, j'étais cadre supérieur, patron de la filiale américaine, donc j'avais et les États-Unis et le Canada, donc de la frontière mexicaine à l'Alaska, c'était mon territoire. Et j'avais une forme d'insatisfaction. C'est-à-dire, je me disais, mais qu'est-ce que tu as? Mais qu'est-ce que tu as? Parce que à l'époque, les expatriés avaient des. Si tu veux, on était vraiment gâtés, hein. On avait un salaire plus que confortable, on avait une indemnité de séjour plus que confortable, avec une voiture de fonction, la gold Amex de l'entreprise, etc. Et il y avait des choses qui n'allaient pas. Et je me rappelle, lors d'un voyage à Miami, j'étais allé dans un de ces superbes hôtels 5 étoiles sur Collins Avenue, et je rentre donc à Manhattan où j'habitais à l'époque, puisque j'habitais 9 ans à Manhattan et 3 ans à Chicago après, j'avais ce sentiment d'insatisfaction. Et aller voir un coach ou aller voir un psy à l'époque, ça ne faisait pas partie de ma culture. Et donc je me suis dit, mais what's wrong, hein? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, quoi, hein? Et en fait, si tu veux, quelques temps plus tard, j'ai compris que j'étais coupé avec en haut. J'étais un être symboliquement horizontal, biologiquement vivant, mais spirituellement, j'étais en sommeil. Et si tu veux, à l'époque, donc j'ai rencontré un psychiatre dont j'ai parlé dans mes livres précédents, qui s'appelait Gregory Paxson. Et Greg Paxson, à Chicago, bien sûr, je travaille sur mon enfance, je travaille sur ma vie intra-utérine, et puis bien sûr, le phénomène des vies antérieures. Et non, l'un de ces travaux, donc de rappel à la conscience de la petite enfance, je vis quelque chose de particulier. Je suis alsacien, on est au mois de mars, c'était l'année de mes 7 ans, il y avait encore de la neige, on habitait ces grosses maisons alsaciennes à Molsheim, dans le Bas-Rhin, et je rentre de l'école, je goûte, et je vais dans le fond du jardin. On avait un jardin qui devait faire 1 hectare ou quelque chose comme ça, quoi, hein. Et je vois une apparition, une fée, une espèce de créature lumineuse
qui faisait à peu près 1 mètre de haut. Donc, je suis totalement en adoration. Je rentre à la maison. Ma mère et ma grand-mère qui étaient là me regardent et je vais dans la chambre et je pleure. Je pleure. Donc, les années passent. Hein, j'oublie tout. Plus rien. Je l'avais appelée la fée Clochette de Peter Pan. Et donc, plus rien. Dans le travail avec Gregory Paxson, je devais avoir 35 ans, la séquence elle revient et je décris avec détail ce qui m'est arrivé. Et donc, si tu veux, ma mère, elle était encore vivante à l'époque. Et je lui disais, maman, j'ai vécu quelque chose de particulier, j'avais 7 ans, et ma mère me dit, mais tu te rappelles pas? Non, je me rappelle pas. Mais tu te rappelles pas? Tu es rentré du jardin, tu allais dans ta chambre, tu étais tout bizarre. 10 minutes, un quart d'heure après, on va te voir avec ma mère, bon, ma grand-mère, hein, c'est ma mère qui parle, et tu étais à genoux en train de prier le petit Jésus. Donc, on t'a laissé, et pendant 2 jours, tu as été bizarre, et après, tu n'en as plus jamais parlé. Ben, je dis, écoute, maman, je crois que j'ai vécu ça comme presque comme un traumatisme spirituel, ça a été effacé de ma conscience. Et donc, si tu veux, il y a eu quelques aventures qui étaient moins fortes, si tu veux, que celles-ci. Mais je me rappelle du temps où j'habitais aux États-Unis, j'étais allé au Yosemite, hein, ce parc national qui se trouve en Californie, qui est magnifique, magnifique. Et donc, je suis perché sur une falaise. Et je regarde, si tu veux, ce paysage. Est-ce que tu sais ce qu'est le hylozoïsme? Hylozoïsme, c'est Hylozoïsme. L'hylozoïsme, c'est une ancienne pensée grecque qui essaie de démontrer que toute chose est vivante et que les anges existent. Alors, c'est pas à Sylvain Didlot que je vais apprendre ça, mais si tu veux, je regarde ce paysage, on a la fin du printemps, il y a les cascades, il y a les fleurs, et tout à coup, il y a l'ange du paysage qui vient. Et l'ange du paysage me dit, tout ça, nous l'avons fait pour toi et pour les autres êtres humains, tes frères et tes sœurs. Tu vois? Donc, tu comprends, mis bout à bout, est-ce que c'est une forme de schizophrénie? Est-ce que c'est un état d'éveil particulier? Donc le physicien en arrière-plan s'est dit, est-ce que je peux expliquer ça? Est-ce que je peux expliquer à d'autres qu'il y a une autre réalité, justement, ce dont tu parles, Sylvain, et dont beaucoup de gens sont sensibilités, une espèce d'hybridation de l'univers. Hybride, ça veut dire manifesté, non manifesté. Visible et invisible. Voilà, tu Là, vois, toute la tu m'as question, posé. mais ça fait quand même, c'est des belles expériences. Et moi, j'ai envie de te poser une autre question. Alors, les amis, les émissions entre nous, je vais un peu plus parler. Je dis ça parce que je connais les commentaires. C'est Sylvain, t'as pas laissé parler l'invité, blablabla. Déjà, je fais ce que je veux, je suis chez moi, les amis. Et ensuite, ensuite, il y a cette idée. Est-ce que tu as rencontré les anges d'autrefois dans ta vie, en dehors de ces circonstances-là? Est-ce que tu fais appel à eux ou est-ce que tu les as rencontrés dans d'autres moments? Bon, alors dans le premier livre, hein, qui c'est vrai, j'ai été tellement surpris par ce livre qui a été vendu à des centaines de milliers d'exemplaires, c'est Nous sommes tous immortels. Et donc à l'époque, si tu veux, il s'appelait Nous sommes immortels, et il y avait un sous-titre qui a disparu après, qui s'appelait La réincarnation face à la nouvelle physique. Donc, si tu veux, j'avais besoin de planter une assise un petit peu plus Scientifique. scientifique pour parler de tous ces phénomènes, pour expliquer à toutes les personnes qui sont pas nécessairement dans cette réflexion, on va dire alternative, complémentaire, spirituelle, que c'est pas du n'importe quoi. C'est pas du n'importe quoi. Si vous croyez que tout ça c'est pas possible, ça voudrait dire que les plus grands prophètes de l'humanité et toutes les religions de l'humanité, excusez-moi, mesdames, messieurs, chers amis, ben, ils se sont tous plantés.
Tu comprends? Et Bah, donc, t'as pas quelque été jugé part. parce qu'après tout, Patrick, c'est quand même la thèse matérialiste de dire qu'ils se sont tous plantés. Mais oui, mais en même temps, tu vas avoir des gens qui sont très pragmatiques, hein, et puis qui ont une vision religieuse, hein, qui vont suivre un cheminement, qui vont, par exemple, prier. Mais la prière fait partie du développement personnel et spirituel. Les grands prophètes de l'humanité ont eu des expériences non ordinaires de conscience qu'on appelle dans le jargon les Énoch. Alors Dieu sait si j'ai fait vivre les états non ordinaires de conscience à un public extrêmement vaste. Écoute, en toute humilité, on avait calculé avec Liliane il y a quelques années, je crois qu'il y a 19 nationalités qui ont travaillé avec nous. Alors tu comprends? Tu travailles avec ou tu fais vivre des séquences particulières à des Français, des Espagnols, des Suisses, des Belges, des Canadiens, des Québécois, des Américains. Si tu veux, il y a déjà quelques différences un petit peu culturelles, mais on est encore un petit peu entre nous, dirons-nous. Mais maintenant, on va faire ça avec un Indien amazonien, on va faire ça avec un Polynésien du Pacifique Sud. Tu grattes un peu à la surface, mais t'as le Maori qui surgit. Et donc, si tu veux, c'est intéressant pour moi de voir des spécificités culturelles, mais on retombe tous sur la même énigme. Nous représentons tous ensemble, non pas un ancien ou un nouveau monde, mais l'évolution profonde de toutes les formes de la vie sur Terre. Et en tant qu'espèce, en tant que dernier règne arrivé sur cette planète, on représente un petit caillou blanc sur l'évolution de la vie. Tu sais, on m'a posé la question, et je suis sûr qu'on te l'a posé, Sylvain, est-ce que des intelligences stellaires existent? Est-ce que les extraterrestres existent? C'est Hubert Reeves qui disait, hein, et Hubert Reeves, Dieu sait si c'est un astrophysicien connu, une célébrité, une légende, il disait, bon, il était prudent, hein, il a dit, parce que dans l'intimité, il y croyait, mais il disait, je ne sais pas si les extraterrestres existent là-haut, mais s'il n'y avait personne, quel gâchis, tu vois? Mais il a raison. Ben oui, On pourrait se dire la même chose ben avec la bien sûr. vie, hein. Si on n'avait qu'une vie, quel gâchis! Mais oui, ça voudrait dire, si tu veux, que quelque part nous arrivons, nous vivons, et puis nous partons, et puis il n'y a plus rien, quoi. Tu vois? Or, ce qui forme, on va dire, de la moralité et, si tu veux, de la bienveillance, de l'amour, du partage, de l'écoute, c'est justement une vision dite spirituelle. Spirituel provient du latin spiritu, qui veut dire que l'esprit existe en toute chose et que toute chose est vivante dans l'univers. Hein, je reviens à l'histoire de l'hylozoïsme. Hein, tu sais, les anges du paysage, les anges de la création, tu vois, tes anges. Tu m'as posé une question, Sylvain. Est-ce que j'ai eu un contact avec un ange? À l'époque, et c'est vrai que voilà, je faudrait que je m'y mette un de ces jours, mais j'ai créé à peu près une trentaine de cassettes, et il y avait une cassette qui s'appelait Communion avec les anges. Lors de l'écriture de Nous sommes immortels, j'ai choisi de parler de la vie de Govanka. C'est une séquence que j'ai vécue il y a quelques millénaires. Bah voilà, hein, en toute humilité, j'ai décrit une vie de druidesse. Hein. Mais si tu veux, Gregory Paxson me fait vivre l'initiation de Govanka. Son maître se manifeste dans une clairière et donc, en l'espace de quelques minutes, fait passer à Govanka une connaissance énorme. Moi, dans mon présent, donc on est à Chicago 1982-83, je suis secoué sur la table, si tu veux, de Gregory Paxson, comme si j'avais un marteau-piqueur. Alors ça m'avait interpellé parce que je me suis dit, bon sang, mis à part le sentiment d'adoration que Govanka a eu quand elle a vu son maître se manifester dans la clairière, son enseignant,
Moi, je suis resté une demi-heure sur le flanc, quoi. Et donc, j'ai compris, en fait, que vibratoirement, la fréquence de Govanka était beaucoup plus élevée que la mienne dans mon temps présent. Parce qu'en fait, ce que Veda, cet être, a fait, il a pris un corps de synthèse. Il s'est manifesté physiquement. C'est-à-dire que c'était pas une entité lumineuse qui s'était manifesté dans cette clairière, c'était réellement lui, tu vois. Et donc, le temps passe, et Veda, si tu veux, parce que bon, Gregory Paxson dit à Veda, est-ce que vous pouvez transmettre des informations à Patrick dans son présent? Et donc, il dit, il faut qu'il utilise le cercle de lumière bleue nuit pour basculer les personnes dans leur vie antérieure. Bref. Et les années passent et je perds la trace de Govanka. Et c'est vrai que j'étais triste parce que de temps en temps il apparaissait et tu connais l'histoire, hein, sont des compagnons, des compagnes, tu vois. Et tout à coup, rien. Et donc je me dis, est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que ceci? Est-ce que cela, quoi? Et un jour, il réapparaît. On est dans les années 90, 92. Et là, j'ai un sentiment de grâce. Et je lui dis, qu'est-ce que tu es devenu? Et tout à coup, la réponse, elle est dans ma tête. Je dis, mais tu es devenu un ange. Et il dit, oui, oui. Et donc, si tu veux, quelque temps après, avec l'accord donc de cette intelligence, je crée une cassette communion avec les anges. Donc à l'époque, je travaillais avec un musicien, si tu veux, qui a fait une belle carrière par la suite, puisque c'est lui qui a fait toutes les musiques de Ushuaïa avec Nicolas Hulot. Mais à l'époque, il avait un appartement dans le 18e. J'étais assis dans sa cuisine contre son frigo qu'il avait débranché. J'avais un micro devant moi. Et donc, me voilà parti pour, si tu veux, communion avec les anges. Et tout à coup, dans la cassette enregistrée, Cercle. je sens une chaleur entrer en moi. Et tout à coup, ma voix change. Et c'est Veda qui parle à travers moi. Alors, c'est quelque chose que tu connais bien. Un petit Moi, peu. ça m'est arrivé très rarement. Toi, ça t'arrive plus fréquemment. Mais je m'entends dire, hein, il y a longtemps, vous étiez semblable à nous. Et dans bien longtemps, vous redeviendrez semblable à nous. Tu vois? C'était magnifique, magnifique. Tu vois? C'est une vraie promesse Donc, tu sais, d'amour. mais oui. Mais tu sais, à un moment donné, quand on dit, mais c'est pas vrai, c'est ceci, c'est cela, je crois que ce dont nous avons besoin et ce que la conscience spirituelle nous apprend, c'est que nous sommes des enfants de l'univers. À travers les états expansés de conscience que tu connais, que vous connaissez très certainement, nous avons appris que les formes les plus complexes de la vie constitue une intrication de nature quantique, avec des connexions multiples, avec une conception spirituelle de la nature, de la planète. Et donc cette conception spirituelle de notre planète, de notre vie, c'est une prière. Tout est relié en tout point. Et donc le ver luisant sur le chemin a quelque chose de commun avec la galaxie la plus éloignée, les premières fleurs du printemps, avec ce dont tu parlais tout à l'heure, la grande explosion qui s'est produite il y a quelques 15 milliards d'années. Merci, très poétique tout ça. Revenons à ton histoire et à ton expérience, Patrick. Tu as vécu l'époque et l'arrivée de deux phénomènes dont j'aimerais que tu nous parles dans l'ordre que tu veux ou peut-être ensemble. Ces deux phénomènes, c'est l'arrivée en Amérique du New Age, c'est-à-dire cette période où on se met à parler, j'allais dire presque en manière abondante de spiritualité. Et puis c'est la période aussi de l'arrivée du développement personnel. Alors, je voudrais que tu m'en parles sous l'angle que tu veux, dans l'ordre que tu veux, mais comment tu as vécu ça et qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à cette historique-là?
Alors, écoute, j'en ai parlé un tout petit peu dans mon deuxième livre, Des vies antérieures aux vies futures, hein. J'ai eu envie d'expliquer un petit peu, mais c'était sur quelques pages, hein, comment tout ça s'est arrivé. Il faut savoir que peu de personnes s'en rappellent aujourd'hui, mais il y a une période très, très spirituelle en France. Hein. Si tu veux, du temps du Troisième Empire, hein, c'est-à-dire, tu sais, du temps de Napoléon III. On est dans les années 1850, 60, 1880, par là. Hein, c'est l'époque d'Alan Kardec, les tables tournantes, Les Victor cercles Hugo. spirites, ouais. Mais absolument, tu vois, pourtant, et Dieu sait si Victor Hugo a été un grand parmi les grands, eh bien, lui aussi croyait à l'autre monde, croyait en des forces invisibles. Qui peut se rappeler aujourd'hui que l'un des chercheurs des vies antérieures était un colonel d'artillerie, et en 1905-1910, le colonel de Rochat travaillait sur le phénomène des vies antérieures. Mais bon. Tout ça disparaît avec l'entre-deux-guerres. Il y a la Deuxième Guerre. À la fin de la Deuxième Guerre, les Russes commencent à faire des recherches parapsychiques à Novosibirsk en Sibérie. Ils vont injecter des sommes d'argent très importantes sur tous les phénomènes dits spirituels. Donc la télépathie, le phénomène des vies antérieures. Le voyage astral, le revécu intra-utérin, etc., etc. Et dans les années 50, à Stanford principalement, il y a des scientifiques qui vont commencer à étudier d'une manière un petit peu plus, je sais pas si on peut dire universitaire, tu vois, mais un peu plus scientifique, dirons-nous, sur ce qu'on appelle les états modifiés de conscience. Dans les années 60, il va y avoir un réveil culturel parmi la jeunesse américaine. Beaucoup d'Américains étaient un petit peu insatisfaits avec, tu sais, le garage à deux voitures, les trois téléviseurs. Je paye ma première traite, j'ai 19 ans, je la termine, j'ai 78 ans, tu vois, etc. Les gens recherchaient autre chose. C'était l'époque de la fin de la ségrégation raciale. Moi, je l'ai connu, tu sais, c'est choquant, hein, quand les gens sont assis dans le fond d'un bus et pas ailleurs, quand il y avait des places pour les personnes de couleur et puis pour les blancs, etc. Moi, tu sais, j'arrivais trans, tout ça n'existait pas en France. Mais New York, si tu veux, avait déjà un petit peu basculé vers une ouverture. Mais dans les États du Sud, c'était encore très, très présent. Et donc, si tu veux, il y a eu le et puis aussi pour toutes les personnes qui font ou qui s'intéressent au chamanisme traditionnel, il y a eu un réveil culturel amérindien. Qui se rappelle aujourd'hui de Léonard Peltier en 1972, un groupe de Lakota vont s'enfermer dans le village de Whitney. Le FBI va donner l'assaut. Il va y avoir deux tués parmi les gens du FBI et Léonard Peltier, eh bien, il va être accusé, si tu veux, du meurtre et va être condamné à vie. Alors, je ne sais pas si Léonard est toujours en prison aujourd'hui, mais il y a quelques années, il y était encore, tu vois, dans un bagne. Donc, quelque part, il y avait aussi tout un mouvement, si tu veux, sociétal, universitaire, qui essayait de penser différemment. Et donc, il y a eu quelque chose qui s'appelle le droit à la pensée différente. Alors, il y a eu l'époque des beatniks, hein, the Beat Generation, hein, bien sûr, hein, pour tous les anglophones, c'est le rythme, hein, the beat, tu vois. Ensuite, il y a eu the Flower Power, le mouvement hippie. Alors, bon, il y a peut-être eu des dérives, mais c'était un mouvement qui était exceptionnel. C'est un mouvement qui prônait la sagesse, qui prônait une autre manière de vivre sa vie. Bon, moi, le New Age américain, je l'ai vu. J'ai raconté à mon ami Sylvain tout à l'heure, 1980, 79, 80, premier voyage à San Francisco. À l'époque, il y avait un homme, Pat Flanagan, qui avait écrit un livre sur l'énergie des pyramides. Et donc, il y avait des gens qui se promenaient avec des pyramides en carton sur la tête et qui écoutaient des musiques de Kitaro.
de Stephen Ah, Halpern. merveilleux. Ça, si tu veux, c'était, on étudie, si tu veux, mais c'était exceptionnel. Mais en même temps, bah, bien sûr, hein, les journalistes ou les gens bien pensants faisaient des gorges chaudes, alors qu'en fait, c'était un mouvement qui était en enfance. Et de ce mouvement-là, il faut jamais oublier, jamais, jamais, l'écoféminisme, le droit des animaux, l'accompagnement des personnes en fin de vie. Tout ça, c'est né de tous ces mouvements-là. Ce ne sont pas les gens pragmatiques, hein, qui l'ont créé. Ce sont les gens, que ce soit des personnes de la vie de tous les jours, hein, des universitaires, des sociologues, des anthropologues, des physiciens, des chamans avec le réveil culturel amérindien que le Canada a connu, que le Québec a connu. Bien Eh sûr. bien, tout ça, c'était le droit à la pensée différente. Et moi, j'ai été enthousiasmé par ça. J'ai commencé à me sentir vivant. Et je me disais, mais c'est comme si j'étais mort avant, et c'est comme si j'étais endormi. Et donc, à un moment donné, mais tu dis, non, ce ne sont pas des errements mentaux. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Mais ça m'appartient. Je me suis dit, pour comprendre tous ces phénomènes, dit spirituel et à la connaissance. Donc, j'ai fait 20 ans de Kriya Yoga. J'ai été très proche de mon maître qui était Kriyananda, qui est parti maintenant vers l'ailleurs. Mais Kriyananda, je dis toujours, il y a des gens qui s'éveillent spirituellement en Inde. Moi, je me suis éveillé spirituellement à Manhattan et à Chicago, tu vois. Parce que le centre du Kriya Yoga pour l'Amérique du Nord, c'était à Chicago. Il y a la Self-Realization Fellowship de Ouais, Yogananda c'était qui est à Los Yogananda, ouais. Angeles. Absolument. Mais c'est toute la filière de Yogananda. Il y a eu mes premiers enseignants amérindiens, Wallace Black Elk, Black Elk et puis Lemdir, Serre Boiteux. Écoute, les deux, un faisait 1,99 m, l'autre 2,01 m, 130 et 140 kilos. Ils ont été élevés par qui? Par leur grand-père, qui est né au 19e siècle. Donc c'est l'Amérique d'avant les Blancs que ces gens-là ont enseigné. Ensuite, il y a eu 3 ans de soufisme, parce que j'ai rencontré un soufi marocain qui s'appelle Jabran. Donc si tu veux, j'étais pas dispersé là-dedans. C'était un apport de connaissances qui me permettait de mieux expliquer ce qu'est un être spirituel incarné. Et quel est notre rôle en tant qu'être humain dans un langage? Alors parfois, si tu veux, voilà, j'ai un langage plus, tu vois, mais un langage qui est accessible à tous les. Écoute, je vous donne une anecdote. Je suis invité à la mi-janvier, donc il n'y a pas longtemps, par un cercle d'intellectuels qui s'appelle Executive Health Club à Paris. Donc ça se passe dans un hôtel 5 étoiles à côté de l'Arc de Triomphe et c'est 70% des patrons de Big Pharma. Donc je me suis dit, là, il va falloir que je les prenne où ils sont et que je monte tout doucement en régime. Et donc, si tu veux, ça a duré 1 heure et demie et c'est vrai que j'ai été très applaudi. Il y a un homme qui s'est levé, qui est un des patrons donc d'une grosse boîte pharmaceutique, qui dit, moi j'ai vécu 3 ans en Corée et on a mis en route une usine de production en Corée. J'ai vécu donc à Séoul. Séoul, c'est le 22e siècle. Mais vous faites 40 km de Séoul, vous arrivez dans la campagne, vous avez tous les guérisseurs traditionnels. Et il dit devant tout le monde, parce qu'il y avait un aréopage qui était là, et qui dit, je vous remercie d'avoir parlé du chamanisme, parce qu'il fallait comprendre tous ces phénomènes à partir du chamanisme originel. À la fin, donc c'est vrai, en toute humilité, voilà, je suis applaudi. Et voilà un homme qui vient, qui est un sénateur, et qui dit, ça vous intéresserait de faire une intervention au Sénat? Alors, je ne sais pas si ça va se faire, tu comprends, mais voilà, le monde est en marche. Hein. Je pense que Nous ne oui. pouvons pas penser comme nous avons pensé il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans.
Et c'est un échange qu'on a, Patrick, mais je pense qu'on nous parle beaucoup de l'ombre et je suis persuadé que la lumière, elle est dans tous les départements d'État, elle est partout et autant on nous parle de système profond ou d'État profond, mais il y a un État encore plus profond qui est très lumineux et qui commence à voir le jour aujourd'hui. C'est peut-être, je te poserai la question peut-être à la fin, mais je te demandais tout à l'heure si tu as confiance en l'avenir, mais revenons un peu à l'inverse, c'est-à-dire... Tu viens de parler du New Age et tu voulais aussi me parler de la partie développement personnel. Mais si tu veux, à partir de ce moment-là, hein, donc on est justement à la fin des années 70, hein, mais ça a été aussi le début du mouvement transpersonnel. Hein, tout le mouvement transpersonnel a énormément fait pour implanter, si tu veux, une forme de conscience plus élaborée, disons-nous, plus spirituelle, au niveau d'un public extrêmement extrêmement large. Donc le si vous voulez, la psychologie transpersonnelle, hein, pour faire un historique extrêmement rapide, elle est née, en fait elle n'est pas née aux États-Unis uniquement, elle est née en Union soviétique, hein, à partir des années 40 ou la fin des années 40, avec toutes les expériences que les soviétiques de l'époque ont fait sur des prisonniers du goulag, sur des volontaires. Donc ils ont utilisé des doses contrôlées d'acide lysergique, hein, le fameux LSD. Et donc, ils ont observé ces phénomènes. Il y avait un jeune psychiatre, hein, qui travaillait dans un service donc, de psychiatrie à Prague. Et donc, si tu veux, tous les pays frères, hein, collaboraient avec le grand frère, hein, l'Union soviétique, sur les recherches dites parapsychiques. Hein. Et donc, Stangroff, en 1967, il est invité aux États-Unis à un congrès à l'hôpital Johns Hopkins à Baltimore, dans le Maryland. Hein. Et donc, bien sûr, il passe à l'Ouest, hein, avec tous les dossiers des recherches soviétiques. Mais pendant ce temps-là, dès la fin des années 50, les Américains avaient déjà commencé à travailler sur les phénomènes paranormaux. Donc, ils vont rencontrer. Écoute, Fridtjof Capra, il a écrit dans les années 70 un livre qui a fait date, qui s'appelle Le Tao de la physique. Mais le Tao de la physique, c'est un livre merveilleux. Il a écrit dans les années 80 The Turning Point. Le temps du changement. Tu lis le temps du changement aujourd'hui, mais tu vas dire, mais c'est exactement ça. 40 ans après, le gars, si je puis me permettre, hein, il avait déjà compris tout ça. Mais comment il a écrit le Tao de la physique dans les années 70? C'est presque un film. Il se promène sur une plage. Alors il est là, il regarde la mer, tout ça, les étoiles et tout. Et tout à coup, il sent une espèce de lumière le traverser. Et donc, il voit la danse des particules. Il voit l'infiniment petit. Il voit les atomes, mais il les voit sans microscope, sans machine, sans rien, tu vois. Et donc, il a écrit le Tao de la physique. Et donc, si tu veux, ce mouvement s'est peu à peu développé. Et comme il y avait des anthropologues, des mathématiciens, des physiciens, des chamans, des psychiatres, des psychanalystes, le terme de psychologie transpersonnelle est devenu trop réducteur et c'est devenu le mouvement transpersonnel. Et le mouvement transpersonnel va aussi s'inspirer du New Age américain et canadien et ailleurs. Hein, les Allemands, par exemple, ont été touchés par la grâce très tôt aussi. Les Français, toujours avec prudence, mon cher Sylvain, tu connais l'histoire, tu vois. Mais voilà. Et donc, on en est là aujourd'hui. Et c'est Voilà. intéressant ce que tu Donc. dis parce que ça rappelle aussi ce qu'on se souvient pas, mais quand on a étudié le phénomène, on le comprend. J'allais presque dire les plus en avant sur ces sujets-là, on parlait beaucoup des Américains, mais les Russes avaient des chaires de parapsychologie qui étaient très 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 bien installées et très compétentes. Écoute, je vous livre une anecdote. On avait une copine, c'est une ancienne élève, hein, parce que j'avais une formation sur 2 ans, hein, je l'ai arrêtée il y a 8 ou 9 ans, parce que pendant 25 ans, hein, mais j'ai gardé, si tu veux, des intensifs d'une semaine. Et donc, une ancienne de chez nous, qui s'appelle Michel, elle habite à Rome.
Et donc, Michel, elle fait de l'iridologie. Alors d'abord, je vous donne une anecdote. Un jour, on est de passage chez elle avec Liliane, parce que j'ai plusieurs de mes livres de traduits en italien. Donc, j'ai fait des conférences à Rome, à Naples, à Milan, à Turin, etc. Et donc, je lui dis, oh, tiens, dis donc, tu pourrais me faire de l'irido? J'avais jamais eu de l'iridologie. Donc, elle me dit, oui, alors elle branche son appareil photo, son truc, etc. Et puis, elle me prend donc une photo de mes deux yeux. Et puis elle me dit différentes choses, et puis elle me dit, écoute, c'est pas encore le moment, mais peut-être que plus tard dans ta vie, tu pourrais avoir des problèmes de reins. Alors je lui dis, et puis elle me parle de ma grand-mère, hein, et Dieu sait si ma grand-mère, elle a compté pour moi, enfin bref. Et donc je lui dis, j'ai une idée, je lui dis, écoute, laisse-moi me mettre dans un état d'expansion de conscience, les yeux ouverts. Alors laisse-moi une minute comme ça, et quand je taperai avec ma main sur la table, hein, reprends une photo, quoi, hein. Donc, je suis comme ça, j'ai les yeux ouverts, je pars un peu dans le flou, je tapote sur la table, elle prend en photo, l'information rénale, elle avait disparu. Elle avait disparu. Donc, on a compris que plus tu accrois ton niveau de fréquence, on n'est pas à l'abri de tout. On n'est pas à l'abri de tout, et je veux pas dire que ça y est, on est immortel, on va mourir à 180 ans en pleine santé, non. Mais malgré tout, il y a des choses que tu peux éviter ou ralentir lorsque. Donc, un jour, Michel m'appelle en France, et elle me dit, je pourrais parvenir au module de perfectionnement. On avait un module de 3-4 jours. Hein. Elle me dit, parce que tu sais, mon professeur d'iridologie, il a changé ses dates de venir à Rome. Alors, elle me dit, parce que il était consigné dans sa caserne. Je dis, comment ça, il est consigné dans sa caserne? C'est quoi l'histoire? Elle me dit, ah, tu sais pas? Mon professeur, c'est un général de l'armée rouge. Alors, j'ai dit, attends, Michel, tu fais de l'iridologie. Je savais qu'elle suivait des enseignements avec un Russe qui venait en Italie. Et je dis, mais attends, c'est un général? Elle me dit, ah, tu sais pas? L'iridologie, c'est un général du service de santé. Et l'iridologie est reconnue comme une science d'État. Ouais. Alors, je vous donne l'information. Oui, non, Voilà. mais c'est. Comme tu le dis, effectivement, on est un peu en retard en France. Des fois, tu sais, je montre aux gens que j'utilise des trucs qui s'appellent des correcteurs d'état fonctionnel. C'est fabriqué par les Russes. Et ça vient des travaux Ah de oui. Koltsov. Koltsov qui a travaillé un peu sur les histoires de fréquences. Et c'est vrai qu'il continue à guérir avec des fréquences. Toi, t'en parles énormément dans tes livres de la médecine vibratoire. Les Russes en ont fait des objets de cette médecine vibratoire. J'en ai un pour les maux de C'est ventre, vrai. si tu veux, puis j'en ai un pour la partie spirituelle. Enfin, ça existe en plein de versions, ces Ah, c'est histoires-là. bien, ouais. Mais c'est juste pour dire, toi, tu as été aussi un des grands précurseurs, justement, enfin, peut-être pas si, précurseur aussi, en même temps, mais tu as parlé beaucoup aux gens de ces médecines vibratoires. Tu viens de parler de augmenter votre vibration, ça va aller mieux. Et donc, tu as vu arriver des gens qui ont commencé à dire, et si on lâchait nos bons vieux médicaments qui servent toujours et qui sont très efficaces, et on ne va pas leur enlever quoi que ce soit, et on va travailler de manière vibratoire sur des organes, on va se faire aider pour ça. Toi, tu te fais beaucoup aider, notamment des cristaux dont on va parler juste après. Mais moi, j'ai envie de dire, tu as dû tester ça d'abord. Comment tu l'as testé? T'as pris des cobayes, t'as appris, d'accord, mais ça s'est passé comment les premières fois où tu t'es dit, tiens, je vais essayer de voir si on pourrait pas aider quelqu'un avec ça? Bon, je crois que c'est, tu sais, c'est l'histoire si toutefois c'est une histoire de la médecine vibratoire. Je crois que ça a commencé lors d'une régression, parce que j'ai vécu une régression en Atlantide. Et donc, si tu veux, j'ai vraiment essayé d'aller au bout de ma démarche. C'était pas pour dire je, moi, mais simplement pour vous dire voilà ce qui est possible.
Et voilà ce qui est possible de vivre. Donc, dans un travail toujours avec Gregory Paxson, du temps de Chicago, hein, donc ça remonte à 40 ans, je vis une vie en Atlantide. Et donc, je vois un homme qui est en lévitation, soutenu par quatre faisceaux lumineux qui sortaient de quatre cristaux assez énormes, quoi, hein. Mais c'est pas le corps physique que je voyais de la personne, c'était son corps lumineux. Donc je décris, je dis à Gregory Paxson, je vois un homme, un être qui est en lévitation, je vois sa partie lumineuse et j'ai vu comme des taches marron dans son enveloppe lumineuse. Et donc Gregory Paxson me dit, What's that? Hein, c'est quoi? Et je lui dis, c'est une maladie vibratoire. Hein. C'est-à-dire que avant, nous ne sommes pas totalement densifiés, mais c'est une pathologie vibratoire. Hein. Et donc je me suis vu, si tu veux, avec l'index, sortir un fil de lumière et commencer à brûler. Si tu veux, ces espèces de taches marron et en enlever comme si je décollais des rustines. Et donc, quelque temps après, je me suis dit, mais ce que j'ai décrit, est-ce que je saurais le faire dans le présent? Bon, j'ai commencé avec des gens qui disaient, ben, il y a, si tu veux, des kystes, des polypes, des tumeurs, des ceci, des cela. Alors, il faut être juste. Hein. Ça marche pas à tous les coups, mais ça a marché et pas qu'une fois, tu vois. Donc la question c'était, qu'est-ce que je fais exactement? Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que c'est reproductible? Donc là c'est le physicien qui réfléchit. Il y a trois piliers de la logique scientifique née au XVIIe siècle. Ce qui est vérifiable, quantifiable et répétitif. C'est-à-dire que si ça arrive une fois, ben, peut-être c'était un coup de bol, mais si ça arrive de temps en temps, là tu commences à te dire qu'est-ce que j'ai fait. Donc, est-ce que c'est transmissible? Je vous le dis, et je vous l'ai dit d'une manière certaine, vous êtes tous médiums, tous, tous. Ça fait partie de la dotation spirituelle de l'être humain. Nous sommes des êtres endormis pour beaucoup d'entre nous, et moi j'essaye aussi à mon niveau de continuer à m'éveiller. Voilà. Et ça a marché. Et c'est là que je veux introduire quelque chose que tu utilises pas mal. Et t'en as des merveilleux. Ce sont les cristaux, en fait, qui viennent amplifier des énergies ou t'aider et te soutenir dans ça. Tu peux nous en parler? Oh, je. Oui, voilà, si tu Un veux, il y bon a cette cristal même. pièce, hein, voilà, ça fait. C'est une, ouais, c'est un cristal. C'est une citrine naturelle. Bon, si vous voulez, avec l'éclairage, je vois mal, mais elle est légèrement brune. Hein. C'est une pièce magnifique. Hein. Je crois, Sylvain, tu m'as dit, je les ai déjà montrées. Ouais, mais c'est pas Mais grave, on si vous aime voulez, bien on les regarde revoir. cette pièce. Hein. Elle est magnifique, magnifique. Cette pièce-là, elle Regardez, est voyez, juste regardez. exceptionnelle. Elle est, oui, hein, tu vois, Alors, ces voilà. cristaux-là, est-ce qu'ils viennent soutenir ton énergie ou est-ce qu'ils vont soutenir l'énergie de la personne que tu soignes? Tu le poses sur la personne ou tu t'en sers pour amplifier ton énergie? T'en sers comment, toi? Alors, ça dépend si tu veux. Alors, attends, il faut que je prenne quelque chose. Attends, voilà. Il faut que je prenne, par exemple, je vais prendre ça, si tu veux, c'est un petit laser. Donc, je vais faire, si tu veux, comme de la chirurgie, tu vois. Je OK. vais ouvrir là, si tu veux, parce que dans le premier corps d'énergie, voilà, par exemple, tu vois, il y a la contrepartie énergétique de tous les organes physiques. Je vous donne une anecdote encore. On aime ça. Je fais un séminaire à Bordeaux et je sais plus, il y a une dame qui a un problème de foie. Alors je dis, ben écoutez, de foie, enfin tu sais, de foie, l'organe, hein, l'organe physique. Hein. Et donc, je dis, ben, je vais vous montrer comment on fait une chirurgie hépatique. Hein. Donc, tu peux prendre ou les pouces et faire cette incision. Tu peux prendre un cristal, si tu veux, comme un bistouri, tu écartes. Donc j'écarte, si tu veux. Et puis, vibratoirement, je sors le foie. Et je travaille sur le foie de la personne. Tac, tac, tac. Tu vois,
Bon, moi, tu le brosses, tu le nettoies, tu le purifies, tu le remets en route, et je remets, si tu veux, le foie à l'intérieur de la cavité. Donc, je recouds, je mets un cataplasme régénérateur. Il y a une dame du séminaire qui dit, j'aimerais, je peux dire quelque chose? Ben, je dis oui. Elle me dit, vous avez déjà vu une chirurgie hépatique? Ben, je dis non, jamais. Et donc, la dame, elle dit, moi, j'ai été pendant 5 ans, assistante opératoire du professeur Intel, qui est un ponte de la chirurgie hépatique à Bordeaux. Et donc, pendant 5 ans, tous les jours, j'ai vu mon patron faire exactement le même geste. Donc, tu comprends, tu te poses des questions à un moment donné, mais tu cherches aussi à te perfectionner, tu vois. Donc, est-ce que c'est transmissible? Oui. Est-ce qu'on peut former des gens? Oui. C'est un travail. C'est non seulement un savoir-faire, mais c'est aussi un travail. Si tu travailles, alors c'est pas uniquement se mettre dans la bonne énergie, c'est vraiment, je sais pas, il y a quelque chose qui se Et produit en un toi. alignement, voilà, mais oui. Tu commences à travailler. Mais tu sais, il y a des gens qui étaient pas du tout là-dedans, tu vois. Écoute, tu C'est sais, bien que ça, c'est bien que tu ce nous dises que ça s'apprend. Après, comme tu le dis, il y a des gens qui sont Mozart avec la musique et des gens qui sauront jouer quelques gammes. Tu as connu aussi des gens qui étaient carrément incorporés dans ces techniques comme le docteur Fritz, mais c'est peut-être un autre sujet. Ah oui. Mais en attendant. Oui, on en est tous capables. Et ce que tu expliques, en fait, c'est comme quand je dis aux gens, tout le monde peut canaliser. Mais il y a des gens qui vont y arriver facilement. Il y a des gens pour qui ça va demander beaucoup d'efforts. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas outillés pour autre chose. Il faut trouver son outil, je pense. Exactement, exactement. Tu sais comment j'ai appelé ça? Il faut que vous trouviez vos codes d'accès. Ouais. Ouais, il y a des T'as des techniques qui ne sont codes pas faites d'accès, pour tu vous, mais il y en comprends? aura toujours une autre qui seront faites pour vous. Vous inquiétez pas. Eh bien, écoute, dans cet esprit, je donne une autre anecdote. Si tu veux, j'ai une perception parfois relativement claire d'image, si tu veux, dans le corps éthérique. Et il y avait des gens à l'époque, hein, qui, si tu veux, qui travaillaient sur les auras. En fait, c'était du temps où ils étaient ensemble, les Meroë Gévaudan. Et donc, si tu veux, on fait partie d'un congrès à Shawinigan, donc hein, à côté Pas loin de chez moi, ouais. de ben oui, pas loin de chez toi. À l'époque, si tu veux, c'était le plus gros congrès, on va dire, spirituel en langue française d'Amérique du Nord. Il y avait 700 à 800 personnes, et c'était créé par Yolande Gagnon, dont le mari était chirurgien, tu vois. Et donc, voilà, Daniel Meroy, qui était un bon, si tu veux, sur les lectures d'aura. Alors, il avait sa planchette, il avait ses crayons de couleur. Et donc, on se dit, tiens, on va prendre deux, trois personnes chacun séparément, et puis on va faire nos trucs, quoi. Hein. Donc, moi, je regarde mes paramètres de l'éthérique, je vois une zone de fracture, je dis, tiens, il y a quelque chose qui s'est produit à la naissance. Daniel, il fait ses trucs, il fait ses dessins. Écoute, on était vraiment à au-delà de 90%, on disait à peu près les mêmes choses. Mais on a fait une constatation à l'époque, hein, parce qu'il a peut-être changé aussi. Moi, je perçois mal les auras, et lui, il n'avait pas d'image, mais il percevait clairement les voiles colorés, lumineux, de ce que l'on appelle l'aura. Et donc, je me suis rendu compte, hein, que tu as des secteurs de, si tu veux, on va dire des secteurs de perception paranormale. Voilà. Hein? Très intéressant. Très Ouais. intéressant de voir ça. Patrick, on est sur les sentiers de l'invisible. J'ai envie de te poser deux questions. La première est, quelqu'un qui voudrait parcourir ces sentiers, c'est intéressant le parcours que tu as fait, mais j'ai envie de te demander. Quelles sont les erreurs qu'il ne faudrait pas faire sur ce sentier? Qu'est-ce que tu déconseillerais à un étudiant dans ces domaines? Alors, écoute, vraiment, enfin, c'est pas très poli, hein, mais c'est pas méchant, hein. Il faut pas se prendre le chou, tu vois. Il faut pas se prendre le chou. Il faut pas croire que, voilà, hein, que nous sommes des gens particuliers. C'est vrai qu'on a des choses particulières en nous, mais il y a quelque chose qui est très important, et je ne le répéterai jamais assez, c'est
la bienveillance, l'éthique et l'écoute. C'est pas nous qui sommes importants, c'est l'autre qui est important. Tu vois? Alors tu le sais, quoi, hein? Tu sais, tous les gens que j'ai rencontrés qui étaient vraiment, vraiment des enseignants remarquables, c'est des gens qui avaient une éthique, hein, qui avaient une vision de l'autre, hein, tu vois, parce que bien sûr, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Il y a des moments, tu sais, quand les premières perceptions arrivent, parce que je l'ai vu chez un certain nombre de gens, tu as des gens qui poussent des cris d'enfant, tu vois, ils commencent à voir des choses qui ne sont pas visibles. Et la personne qui est allongée va dire, ah ben oui, effectivement, j'ai eu une fracture de l'épaule quand j'avais 8 ans, je suis tombé de vélo. Hein, la personne va dire, oh, je vois un gamin qui tombe, qui se tient l'épaule, il y a un vélo. Ah mais oui, c'est l'accident que j'ai eu, j'avais 8 ans. Et l'autre va dire, oh, je l'ai vu, quoi. Mais si tu considères que ça fait partie de l'éveil normal, spirituel, tout ira bien. Et moi, je remercierai jamais assez mes maîtres, hein, en l'occurrence Kriyananda, le docteur Yeshidonden, Jabran, le soufi, et d'autres, si tu veux, pour dire, ne te prends pas le chou, ne te prends pas la tête, c'est normal, Ouais. c'est normal. Les maîtres Tu vois? visibles et invisibles qui nous accompagnent et qui font aussi partie du processus, parce qu'en fait, on nous souffle des trucs à l'oreille, des fois c'est pas nous. Et l'erreur, ce serait de croire Ah que ben nous bien sommes sûr, hein. 100% responsables du phénomène, alors qu'en fait, on y participe. On y participe avec des énergies qui nous Mais entourent. ça me rappelle une anecdote. Il y a une personne. Oh là là, mais qu'est-ce que vous souffrez? C'est qui Robert? Elle me dit, ah, vous l'avez vu, vous l'avez vu. Non, mais dans ma tête, j'ai entendu Robert. Et donc elle me dit, c'est mon ex-mari, c'est lui qui m'a fait ceci, cela, cela, cela. Tu vois? Donc il y a des moments, si tu veux, tu enfin, moi, je l'appelle la connaissance intuitive. Mais c'est vrai que parfois, tu as l'au-delà qui murmure à tes oreilles. Tu Ça vois? m'arrive souvent, mais c'est toujours émerveillant. Mais ça me fait rire en fait. Je le prends pas pour moi, tu vois ce que je veux dire? Ça me fait rigoler. Je dis, tiens, c'est rigolo, on l'a eu quoi. On a chopé cette info de Dieu seul sait où, c'est très rigolo. Moi j'ai envie de dire, pour faire un échange, un des défauts que je trouve à notre époque et qu'on n'a peut-être pas eu nous, mais c'est la persévérance. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'ils vont faire un stage d'un week-end et ça y est, ils vont tout comprendre et tout connaître. Et Et boum, ça y malheureusement, est, on vit dans cette époque de allez, filez-moi un casque de réalité virtuelle, j'apprends ça en 3 secondes, je reviens, je suis chaman. Non! Parfois, on passait toute une vie auprès d'un maître pour apprendre. Peut-être moins aujourd'hui, mais toi, tu as passé beaucoup de temps auprès de tes enseignants. ah, mais moi, j'ai passé beaucoup de temps, hein, j'ai passé des années, puis bon, tu sais, hein, parfois, ils étaient pas marrants, quoi, hein, tu sais, tu te faisais engueuler, Non, mais enfin, je te quoi, rappelle que Maître Yukteswar pour Paranamayansa Ah Yogananda, c'était pas un oui, rigolo c'était non plus. le maître. Oui, le maître de Yogananda, Ouais. C'est c'était pas pareil dans les arts un martiaux. agnolet. C'est pareil dans les arts Ouais. martiaux, on s'imagine toujours que c'est des êtres pleins de douceur. C'est surtout plein des êtres pleins de cette intégrité qui font qu'ils vont pas lâcher l'élève jusqu'à ce qu'il ait compris, quoi. Tu sais, Yogananda, hein, c'était pas non plus un être très qui te prenait, qui te berçait. Tu sais, il t'allumait, quoi. Ouais. Tu sais quelle est l'une des incarnations importantes de Yogananda? Non, vas-y. Ben, Guillaume le Conquérant. Ah. C'est Kriyananda qui m'a expliqué ça. Kriyananda, il m'a expliqué en fait qu'il était un chevalier normand. Et qu'il avait combattu à la bataille de Hastings avec Yogananda, Guillaume le Conquérant. Et je lui dis, Guillaume le Conquérant, Yogananda, mais comment ça se fait? Comment ça se fait, quoi? Guillaume le Conquérant, il a. Écoute, tu sais, c'est émouvant, hein? L'anecdote aussi, elle est superbe. Il dit, oui, mais il a fallu l'énergie martienne de Guillaume le Conquérant pour que Yogananda, au début du XXe siècle, puisse propager le yoga en Occident comme il l'a fait. Et donc, Kriyananda me dit, j'ai vu Yogananda marcher parmi des centaines, sinon des milliers de cadavres,
Et il a jeté son épée en disant, Never I will pick up the sword again. Plus jamais je ne reprendrai l'épée. Tu vois? Or, crie Ananda, pourquoi j'ai eu ce lien particulier? Parce que j'ai revécu une vie d'abbé au XIe siècle. Et j'ai décrit la bataille de Hastings durant cette séquence. Mais c'était avant que je connaisse Kriyananda. Ananda. Donc, le Kriyananda, excusez-moi, si tu veux, qui commence à me parler du XIe siècle, du ceci, du cela, etc. Et je lui dis, Did we meet before? Il me dit, mais tu as marché parmi les cadavres. Tu vois? Donc, tu comprends, hein? Plus tu avances, plus tu es petit, plus tu es humble. Nous retraitons du monde extérieur, et si tu retraites quelques minutes par jour du monde extérieur, on peut s'ouvrir au dynamisme cosmique qui mène le monde et nous élève vers des paliers plus élevés de la vie. Et c'est une nouvelle alliance entre toi, moi, tous les autres, tous les règnes qui peuplent cette planète minérale, végétale, animale, humain. Et puis bien sûr, surhumain. Et donc, C'est tellement vrai. nous faisons partie de l'immense communauté cosmique. C'est un peu plus vrai, tu sais, que tous les guides avec qui je discute parlent effectivement de ça. On peut avoir une vision correcte de son existence seulement quand on la place dans une somme d'existence. Sinon, comme tu dis, ça peut ne pas avoir de sens, on va finir par être imbu de nous-mêmes, ou à vouloir devenir des maîtres ascensionnés en une seule existence, que j'entends tous les matins, alors que non, alors que non. Non. Mais ça devrait rassurer les gens, tu sais, parfois, j'explique la vie de certains maîtres ascensionnés, effectivement, ils ont eu des vies qui n'étaient pas folichonnes, où on se dit qu'ils étaient l'opposé d'un être plein d'amour et plein de joie. Mais ça devrait rassurer aussi les gens et de vous Absolument. dire, reconnaissez dans vos défauts, qui seront peut-être la perfection d'une autre existence. Pourquoi la corriger dans celle-là? C'est intéressant, oui, mais ça va servir. Tout sert. Et c'est ce dont on aperçoit, mais seulement quand on a une vision multivie. Ah tiens, j'ai fait ça, ça m'a servi à ça. Ah tiens, j'ai appris ça, et puis ça me revient maintenant. Ah bah tiens, j'ai mis 3 siècles à apprendre ça, et puis maintenant j'ai appris en 10 minutes. Tu sais, Sylvain, hein, tu sais, on bavarde un peu comme si on était au coin du feu, tous les deux, quoi, avec vous toutes Y en a et vous tous. quelques-uns, ouais. Et, ouais, mais j'ai vécu une vie au 8e millénaire avant Jésus-Christ. Donc, l'Atlantide avait déjà disparu, mais il y avait encore la connaissance atlante, hein, qui était présente. Et donc, j'ai décrit la vie d'un prêtre, d'un initié, dans une pyramide. Et donc j'ai décrit le feu d'Horus, hein. C'est-à-dire, parce que si tu veux, les Égyptiens, et ça j'ai découvert après, connaissaient l'énergie de la Kundalini. Un Kundalini, c'est une déesse du panthéon hindou. Et donc ils connaissaient l'éveil de la Kundalini, qu'ils appelaient eux le feu d'Horus. Mais dans cette séquence, j'ai décrit comment allumer le feu d'Horus. Mais je ne me suis pas aimé. J'ai pas aimé cet homme. C'est un homme qui avait vraiment des dons, qui avait des pouvoirs, disons-le, mais il n'y avait pas beaucoup de cœur. Donc je l'ai dit, je ne m'aime pas, tu vois. Et donc, l'un des aspects karmiques de cette existence, je dois enseigner d'une manière aussi claire que possible ce que j'ai appris. Et je raconte beaucoup de choses, hein, Sylvain. C'est quand même des choses que je raconte pas Ah ben, tous les jours je et à t'en tout remercie, et moment. c'est un peu le but justement de ces sentiers de l'invisible, c'est un petit peu Tu m'as mis un sérum. Des anges m'ont mis un sérum de de vérité. t'arracher quelques confidences. Non, ben c'est, je te connais, tu dis ce que tu as envie de dire. Mais moi, je voudrais avant qu'on prenne peut-être quelques questions, parce que tu nous offres 1 heure et demie et ça fait déjà plus d'une heure qu'on est ensemble. Donc on va prendre quelques questions, puis je vais quand même rappeler que s'il y a des gens que ça intéresse de te suivre. Attends, parce que j'ai 4 écrans aujourd'hui à gérer. Moi, j'avais des diapos qui sont encore de la dernière fois. Regarde.
avait ce maître indien dont tu nous as parlé. Oh oui! Ben ouais, Ah, ça, mais. c'est un chaman qui aspire l'information de la maladie. Il aspire pas la maladie, il aspire l'intelligence de la maladie. Ah, et puis le docteur Yeshi Dandan qui Ah, t'a le croisé. docteur Rondel. Et Oh ben on avait là passé ça, on avait parlé du docteur Fritz, tu vois, j'ai gardé là. Ah, les le trucs, mais docteur voilà. Fritz. Donc c'était. Oh. Attends, oh là là, super diapo. La dernière qui m'intéressait, la voilà. Si vous voulez rejoindre le site de Patrick, vous allez sur drouotp.com et vous allez retrouver. Oui, c'est Drouot. Les deux marches, on en a dit la dernière fois, en fait, en fait, il y a plein de moyens de te rejoindre. Mais vous pouvez pas Ouais, rater, ouais. vous pouvez pas rater Patrick, j'allais dire. En tout cas, avant qu'on prenne quelques questions, Patrick, j'ai envie de te demander déjà, quelle est ton actualité? Je veux dire, est-ce que tu as prévu de faire des stages? Est-ce que tu peux parler aux gens? Est-ce que tu fais toujours des conférences? Et... Bon, alors, si vous voulez, bon, je reçois beaucoup de demandes de consultation, mais malheureusement, je consulte plus parce que je suis dans une période, bon, je recommence à écrire, hein, Ben j'ai c'est très bien. un livre à écrire, voilà. Et puis, par contre, bon, j'ai un séminaire à Vannes, en Bretagne, au mois de juin sur les thérapies vibratoires. Il y a un petit séminaire d'été de 5 jours qui s'appelle l'esprit du chaman à Vannes aussi, à Vannes, je dis bien, non, c'est pas à Vannes, c'est en Sologne. Et puis il y a 3 formations sur les thérapies vibratoires, hein. C'est-à-dire que je suis passé vers l'enseignement parce que j'ai besoin de faire passer. Il y a vraiment des gens bien, hein, qui commencent à prendre la relève, hein. Et donc c'est des gens que je connais, qui me suivent, des gens que j'ai aimés, et puis aussi bah, des gens très très divers, hein, qui font aussi cette formation parce que ça les intéresse à titre personnel. Hein, par exemple, un commandant de bord, hein, d'une grosse compagnie aérienne, hein, donc ils volent sur Boeing, hein, sur les 777, hein, mais il a fait cette formation sur les thérapies vibratoires parce que ça enrichit. Donc, je le dis, toute forme d'acquisition de connaissances nous enrichit et nous permet quelque chose qui s'appelle le discernement. C'est-à-dire que tu apprends à faire la différence sur l'à peu près, ce qui est bricolé, et puis vraiment un enseignement structuré. Tu vois? Patrick, avant que je prenne les questions une ou deux questions, les amis, pas tant que ça, je voudrais te demander, avec les connaissances que tu as aujourd'hui, et j'allais dire ce que tu sens et ressens de ce monde, comment tu sens l'avenir de ce monde dans les 10-15 prochaines années? Comment tu le vis, toi? Ton opinion presque Oui. personnelle, j'allais dire. En 1984, j'ai rencontré une légende des vies antérieures qui s'appelait Hélène Wambach. Hélène Wambach, c'est une psychologue clinicienne qui travaillait à l'Université de Californie à San Francisco. Et donc j'avais entendu parler d'elle et donc j'avais très envie de la rencontrer. Bref, je n'entre pas dans les détails parce que je rencontre Hélène Wambach. Et on commence à parler, elle est décédée l'année d'après, en 1985, donc même sa secrétaire. J'ai travaillé sur le présent des gens et j'en ai eu assez. Pendant 20 ans, j'ai travaillé sur les vies antérieures des gens. Et j'en ai eu assez, maintenant je travaille sur le futur. Alors je lui dis future, elle me dit oui, je voilà. Et donc, alors ce sont aussi les États-Unis, hein. Elle a eu une donation, un grant de l'Université du Wyoming, d'un professeur qui s'appelait Sprinker, et je crois qu'elle avait eu à l'époque 80 000 dollars. C'est quand même pas rien, on est en 84. Et donc, elle a pris un panel de 200-300 personnes pour poser des questions très, très simples. Comment vous habillez-vous? Comment vous nourrissez-vous? Et elle les a projetées peu à peu dans le futur. Et quand elle a vu de la consistance, elle a pris un panel
de 2000 personnes qu'elle a projetées dans le futur de la planète. Ouais. Et donc, moi, bien sûr, on me raconte tout ça, et je lui dis, Could you progress me? Hein, vous pourriez me progresser? Et elle me dit, pas à un niveau personnel, mais à un niveau planétaire. Alors, je lui dis, pourquoi pas un niveau personnel? Elle me dit, c'est très simple. Imaginez que je vous progresse dans une trame du futur et que vous vous perceviez en train de griller dans votre voiture en flammes dont vous ne pouvez pas sortir. Comment est-ce que vous allez vivre ça? Et là, elle m'a refroidi, tu vois. Et donc, j'ai dit, bon, bah, OK, hein, let's go for the planetary stuff. Et donc, elle me progresse en 86, 88, 90, etc. Et donc, je décris des choses qui se sont vraiment produites. Hein. En 88, il y avait encore la guerre en Irak-Iran. Donc, à l'époque, personne ne pouvait imaginer en 84 que 4 ans plus tard, il y aurait encore la guerre Irak-Iran, etc., etc. Et en 95, Ah. tout s'arrête. Tout s'arrête. Je décris un monde en pleine déstabilisation. Et donc, je me dis, je vois plus rien. Et elle me dit, je vais vous emmener en 2050. Et donc, alors c'était une hypnotiseuse. Écoute, elle fumait 3 paquets de Marlboro par jour. Elle Bonjour. a la voix cassée par le tabac, tu vois. And now make yourself comfortable and relax, tu vois. Alors rien que ça, tu étais déjà parti, tu vois. Et donc, elle fait son décompte, tu vois, et elle m'emmène dans le futur, mais elle n'a pas le temps. De terminer son décompte, je vois un enfant. Je dis, I see a boy, he's 3 years old. Tu vois, je vois un garçon, il a 3 ans. Donc, si tu veux, en 2050, bah, je me décris, donc je devrais me réincarner en 2047. Mais je décris un monde complètement différent. Des gens qui semblent en paix. Des gens qui tordent des lumières par la pensée. Bref, c'était génial. Donc, si tu veux, les catastrophes que j'avais commencé à décrire à la fin des années 80, au début des années 90, ne se sont jamais produites. Je reste quand même persuadé, parce que tu sais, j'étais un peu en état de choc, hein, c'était dur, hein, ce que j'ai vu, hein, des foules qui couraient le long des routes, des charges de policiers, si tu veux, Ouais. c'était des militaires qui chargeaient, c'était un monde en pleine déstabilisation. Et donc, je me rappelle, j'ai dit, mais je ne peux pas parler de ça parce que les gens vont, je vais me faire allumer, je vais me faire descendre, comment je peux faire? La seule possibilité, c'était vraiment d'essayer à mon niveau d'élever les consciences, de dire, voilà, essayer de méditer, essayer de prier, essayer de cultiver de bonnes pensées, etc., etc. Tu sais, les années se sont passées, mais j'ai souvent pensé à l'époque qu'il y a eu un éveil spirituel dans les années 80. Et c'est à cause de cet éveil spirituel que vraiment des catastrophes ont été évitées. On en a évité. Alors, tu m'as posé une question. Tu sais, au cours des dernières décennies, on a assisté à une transformation profonde de notre société planétaire. Les avancées technologiques, les changements sociaux, les défis mondiaux, et Dieu sait s'il y en a, ont contribué à façonner notre compréhension de la spiritualité. Alors que certains pourraient penser que la spiritualité, c'est un peu du n'importe quoi ou en déclin, je suis ici pour vous dire que c'est exactement le contraire. L'évolution spirituelle du monde actuel, elle est marquée par une quête de sens plus profonde. Donc, c'est une période. Enfin, moi, c'est Liliane qui parle comme ça. Elle dit c'est une période virage, passage. Nous sommes dans un passage. Mais s'il y a de plus en plus de personnes qui cherchent à comprendre leur place dans le monde, à trouver un équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle, à cultiver des relations significatives, eh bien, nous prenons soin de notre bien-être mental, émotionnel, physique, et aussi de notre monde, mais aussi de notre futur.
Voilà. On est bien Alors, comment d'accord. je vois le monde? On est bien en accord. J'ai reçu ça Et... des guides aussi qui disent clairement, c'est pour ça que j'avais créé Terre 2, c'est pour amener les gens à avoir cette vision de ce qui est possible, de retrouver le moral, parce qu'on nous le fait perdre, et puis de rien lâcher. Tu sais, Sylvain, il y avait un, oh, il y a des années de ça, hein, il y a un journaliste américain qui interviewe un professeur de sociologie de UCLA. Et donc, il lui dit, professeur, on va l'appeler, voilà, Sprinkle, hein, c'est pas exactement le terme, mais voilà, professeur Sprinkle, how do you see American people in 20 years from now on? Hein, comment vous voyez les Américains, Dans 20 ans. comment vous voyez l'Amérique en 20 ans? Alors, le professeur, il dit, je vois l'Amérique, je vois les Américains vivant dans des ashrams visités par des businessmen hindous. Ça pourrait être Voilà, sympa. c'était complètement merde, quoi, Ouais, hein. ça C'était une plaisanterie, quoi. Je vois les Américains vivant dans des ashrams peuplés, visités par des businessmen hindous. Ouais. Tu vois? Donc, Ouais, mais c'est. non. Mais t'as... en fait, là Tu où sais. j'appuie, je plus toi tout ce que tu dis, c'est quand on dit souvent aux gens, oh, la spiritualité est finie. Non, elle démarre, elle commence maintenant. La vraie, Mais bien sûr. incarnée, j'entends, elle démarre maintenant. Tu sais, vous savez que les frontières géographiques, hein, ces 40, 50 dernières années, elles sont marquées par une ouverture d'esprit et une acceptation de la diversité culturelle. Tu sais, moi, j'ai pris mon premier vol aérien, enfin, j'ai pris l'avion pour la première fois de ma vie, j'avais 23 ans. Tu vois, et c'était un voyage en Turquie. Quand on est arrivé au-dessus d'Istanbul, c'était un Boeing 707. J'étais au premier rang. J'avais trouvé une place géniale. Enfin, on m'avait donné une place géniale. Et quand il a sorti ses trains, tu sais, mais moi, je savais pas. Je veux que l'avion, il cassait, quoi. Merde, qu'est-ce qui arrive, tu vois? Maintenant, qui n'a pas pris l'avion? Mon fils, il avait 5 semaines. Il a fait un vol New York-Phoenix. En Arizona, parce que c'était encore du temps de mes années, on va dire conventionnelles. Donc j'avais un voyage d'affaires, j'ai emmené ma femme et mon fils, ben, qui avait 5 semaines. Écoute, voilà. Donc si tu veux, c'est les frontières géographiques, elles s'estompent, les cultures se mélangent. On est exposé à une multitude de croyances, de pratiques spirituelles, et donc cette diversité nous invite à remettre en question nos propres croyances et à embrasser la richesse de la spiritualité planétaire. Et tu nous en donneras des morceaux, et tu nous en as déjà des morceaux, et on t'en remerciera jamais assez. Patrick, Karine te demande si tu as été formé à l'hypnose spirituelle par Dolores Cannon, ou si tu l'as connue peut-être. Non, malheureusement, non, non, non. Moi, si tu veux, au début des années 80, il y a une association, maintenant je ne sais pas si elle existe toujours, qui s'appelait APRT, hein, Association for Past Life Therapy and Research, hein, l'association de recherche et de thérapie sur les vies antérieures. Hein. Et donc j'ai fait partie de cette association pendant 12 ou 13 ans. Hein, ils étaient à Riverside, hein, dans la banlieue de Los Angeles. Et donc bah, j'ai appris toutes les techniques, hein, avec des psychanalystes et des psychiatres, hein, qui enseignaient dans cette association, quoi, hein. Voilà. Hein, j'ai aussi suivi les enseignements de Milton Erickson, hein, qui était un des grands, grands, grands hypnothérapeutes, hein. Mais Dolores Cannon, elle a fait beaucoup, beaucoup de choses magnifiques, magnifiques, quoi, hein. Mais je ne l'ai jamais rencontrée. Hein. Est-ce que, ça n'a rien à voir, peut-être que je suis indiscret, mais est-ce que Liliane est plus optimiste que toi encore sur cet avenir planétaire? Quelle est la différence Liliane. entre Patrick Druault et Liliane Druault? Oh. Elle pourrait nous le dire, Oh, tu sais, mais allez, je t'invite, on est à la hein, Saint-Valentin, faut qu'on tu sais, parle un peu d'elle quand même. ouais, c'est vrai, c'est la fête des amours. Écoute, moi, je suis en amour avec mon épouse. Ça fait quand même quelques décennies qu'on est ensemble, et je trouve que c'est. Tu sais, Liliane, hein, de par son père, elle a des affinités parce que son nom de jeune fille, tenez-vous bien, c'est une gagnon. Hein, et donc,
Et de par son père, eh bien, elle descend de la filiation des Hurons de Wendaki, tu vois. Et donc, on est allé à Wendaki visiter sa famille, oh, il y a quelques années maintenant, hein. Et donc, on lui a raconté l'histoire de sa famille, et donc, elle descendrait d'une famille de chefs, hein, qui étaient les Gros Louis. Hein? Donc, s'il y a des gens qui écoutent, hein, qui connaissent Wendaki, qui connaissent les Gros Louis, voilà. Mais Liliane, si tu veux, c'est une Parisienne, hein, elle est née à Paris, mais elle a la marque amérindienne, quoi. Hein? Et quand elle sourit, tu sais, ses yeux, c'est des fentes, hein, tu vois. Mais c'est une femme qui a beaucoup, beaucoup de sagesse, hein, et qui donne des enseignements sur l'écoféminisme. Et l'éveil, si tu veux, des femmes dans le monde actuel. Et donc, elle dit, c'est une période qui peut être dangereuse, mais qui peut être contournée si de plus en plus de personnes s'éveillent à leur nature profonde. Et je trouve que on se complète bien tous les deux parce que ben, Liliane elle a une formation de juriste, elle a fait la fac de droit et elle a été responsable d'un département d'une grosse banque française. Et donc il y a 20 ans, j'avais dit écoute, pourquoi on travaillerait pas ensemble parce que je pars au Brésil, tu me rejoins, tu prends des congés, etc. Et donc il y a des choses vraiment qu'on anime ensemble et c'est une belle, belle collaboration, tu vois. Moi, je trouve que c'est vraiment une enseignante pour moi et à mon niveau, j'ai aussi appris différentes choses. Elle a appris, si tu veux, à voyager dans le temps, mais elle m'a aussi appris, si tu veux, la dimension des femmes sur l'ensemble de la planète. Et on a pu rencontrer des cercles cérémoniels féminins en Amazonie, dans le Pacifique Sud, grâce à elle, pas grâce à moi, tu vois. On te voit en plus petit, Patrick. Ah bah ça y est, la bande passante est repassée en grand, c'est super, comme ça on te voit en plus grand. Mais merci, on remerciera jamais assez Lilian pour ton parcours. Moi, j'ai une question qui me paraît essentielle dans les sentiers de l'invisible et que je poserai à tous les invités que j'ai rencontrés sur les sentiers de l'invisible, c'est quelle a été ou quelle est pour toi la place de l'amour dans notre parcours de vie? Il y a le sage ou le poète va dire qu'il y a le ou la poétesse va dire qu'il y a trois vibrations fondamentales de l'univers. L'amour, la sagesse et la connaissance. L'amour, la sagesse et la connaissance. L'amour qui lie toute forme de vie dans l'univers. La sagesse qui nous permet de comprendre les beautés de l'univers. Et puis, la connaissance qui nous permet de croître et en sagesse et en amour. Et donc, si tu veux, l'amour, c'est un voyage passionnant et complexe. Et comme on navigue dans ce monde en évolution constante, il est important de cultiver l'amour, de cultiver des pratiques qui nourrissent notre âme, de chercher des connexions significatives entre nous-mêmes et les autres. Et en embrassant l'amour, cette évolution spirituelle, nous pouvons trouver un sens plus profond dans nos vies et contribuer à créer un monde plus équilibré, plus harmonieux et plus aimant. C'est du Patrick Drault, je sais pas comment vous le dire. Patrick, on est arrivé au terme de cette émission, tu nous as accordé 1 heure et demie et je t'en Oui, remercierai merci. jamais assez, surtout ce soir où il y a beaucoup de gens qui sont restés. Malgré tout, il y a quand même beaucoup de gens qui sont restés avec nous, là, je te le dis quand même, on est énormément, il y a près de 4... Ah, c'est ça. on est près de 4 000 là quand même à t'écouter. Ah, c'est bien. Ouais, ça fait un C'est petit... bien. Bah, Ça fait je un... suis honoré. Ah, je crois que c'est normal, les gens t'adorent. Je voudrais te remercier d'avoir participé à cette émission des Sentiers de l'Invisible, à nous avoir relayé quelques clés, à nous avoir parlé de ton histoire, à nous montrer, j'ai envie de dire, tu nous as un peu montré comment on devient Patrick Drault. Désolé, et sans vouloir que les gens te ressemblent à 100%, mais un petit peu comment t'es passé par là. Et on t'en remerciera jamais assez pour ça, bien sûr. Tu sais,
Tu sais, j'ai juste une chose qui m'interpelle dans ce que tu viens de dire, et sincèrement, vous comprenez bien que ça s'adresse pas à moi, mais je dis parfois aux gens, donnez l'envie aux autres d'être ce que vous êtes. Tu Ouais, comprends? bah Moi, oui. j'ai des modèles dans mon existence, hein, des maîtres, des gens, ou même des gens, on va dire, des gens de la vie de tous les jours. Tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il est bien? Mais qu'est-ce qu'elle est bien? Qu'est-ce qu'il est sympa? Qu'est-ce qu'elle est gentille? Tu vois? Tu donnes, la personne, elle te donne envie d'être ce qu'elle est. Tu vois? Donner envie aux autres d'être ce que vous êtes. Hein. Elle Tu est dans vois. ce, la personne, elle est dans ce rayonnement, effectivement, qui donne envie. Ouais. Voilà, quand, tu sais, c'est souvent Ouais. là que les jeunes, ils disent, je veux la même chose qu'elle, tu vois, donnez-moi la même chose que ce qu'elle est en train de boire, là, ça a l'air Ouais. sympa. Ça a l'air Ouais, sympa. ouais. Patrick, on n'hésitera pas à te Ah, recevoir sur Terre 2 ou sur les sentiers de l'univers pour ton prochain, de l'invisible, pardon, pour ton prochain livre ou d'autres choses. Je vais parler à nos amis pendant 1 minute et puis je vais te laisser les mots de la fin, comme d'habitude. Mais vraiment, toute ma gratitude, tous mes remerciements. Je vais faire comme si tu allais mourir demain, ce qui ne va pas du tout être le cas, mais je vais te dire, tu as embelli nos Ah vies oui. pendant tellement d'années qu'on ne peut que te remercier. Mais je reviens te voir dans 1 minute. Les amis, que vous dire? Je voudrais vous dire merci d'avoir participé à cette première émission des Sentiers de l'Invisible, même si au début il n'y avait pas de son, mais. Pour ceux qui vont lire cette vidéo demain, vous ne verrez même pas qu'il n'y avait pas de son début parce que je vais faire un petit montage juste après. Je voudrais encore remercier Patrick, vous inviter à relire l'intégralité de ses livres. Je vous montre encore les 4 derniers, mais il y en a tellement avant, mais je vous montre quand même les 4 derniers principalement chez Très Daniel pour les 2 derniers. On se rejoint ben, dans 15 jours, figurez-vous, dans 15 jours pour de nouveaux Sentiers de l'Invisible, le même type d'émission. Je vous en ai parlé pendant le débriefing. Il y aura pas mal de questions-réponses. La fois prochaine, ce sera donc une émission avec moi. Voilà. Il y a plein qui voulaient me poser des questions. Ce sera le moment de me les poser. Je ne vais pas répondre à tout. On fera aussi un channeling. Donc oui, je vais me mettre en danger sur Terre 2 TV parce que vous me connaissez comme channeler par rapport à mes livres et par rapport à plein de choses. Mais là, on va le refaire un peu en live. Il y en a qui vont trouver ça. Il y en a peut-être qui vont me quitter à tout jamais en disant ça y est, il entend des voix. Ne vous inquiétez pas. Je suis Vosgien. Vous savez que la plus grande Vosgienne connue s'appelait Jeanne d'Arc. Donc globalement, on a l'habitude d'entendre des voix. Ça ne veut pas dire que tous les Vosgiens entendent des voix. On fera ça avec Marianne Lemarchand qui nous fera des petits portraits en même temps. On se revoit. Il y a plein d'autres émissions dont je vous parlerai. Pas forcément. Oui, la prochaine fois quand même. On parlera bientôt de. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir accepté de parler des coups de fil de l'invisible. Il y a 15 jours, on a parlé un petit peu de ça. On va parler avec le docteur Charbonnier. On va faire un petit check-up de ce qu'il a fait jusque-là. On va parler. Je regarde derrière moi. On parlera. J'ai dit que je ne vous en parlerai pas, mais je vous en parle. Marc Queneux, on va parler. Lui, il s'intéresse beaucoup à tout ce qui est magie, rituel, etc. On parlera un petit peu de tout ça avec lui. Il y a plein d'émissions en cours de route. Mais encore une fois, si vous voulez connaître ces émissions, allez, il faut vous abonner, les amis. En bas, je ne sais plus, il y a un bouton qui traîne quelque part. Tout le monde vous parle de la cloche et des trucs. Je ne sais même pas comment ça marche, moi. Mais en tout cas, je vous laisse appuyer sur les boutons qu'il faut. Et je vous remercie encore d'avoir été là, présent ce soir. Très nombreux pour toi, Patrick. Mais tu le vaux bien. Et je vais donc te laisser bah, les mots de la fin de cette première émission des Sentiers de l'Invisible. Ah, écoute, ben, je te remercie encore, cher Sylvain. Hein. Je disais à Sylvain, vous connaissez la sylvothérapie. Hein. La sylvothérapie, c'est le bain de forêt. Hein. C'est-à-dire que vous travaillez avec l'énergie des arbres, l'énergie de la forêt, etc. Plein Eh d'amour. bien, il y a la sylvothérapie et la sylvain-thérapie. Voilà. Alors, moi, ce que je propose, c'est que. Bon, si vous voulez, célébrons l'équinoxe prochaine de printemps par le rythme et l'ancrage pour faire naître une énergie vitale, intense, positive, créatrice. Et le retour du printemps ramène périodiquement sur Terre la vie, la joie, la fertilité et l'amour. Merci mille fois. Merci Je les vous amis. embrasse tous. À bientôt.
Voilà.